L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti des masses, parti des luttes, parti des martyrs, aujourd'hui parti au pouvoir. Ma candidature a beaucoup de chance par le fait même que, ayant mené la lutte à l'intérieur du pays pendant maintenant 11 ans, et notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti qui a affronté sur le terrain une dictature la plus sanguinaire du monde moderne. Cela, ça ne va pas de soi, mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même ne croit pas du tout. Il sait qu'il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne. Tout le monde exige son départ. Ce parti politique qui a su dire tout haut ce que certains disaient tout bas, craignant la répression dictatoriale du régime Mobutu, l'UDPS, par ses pères fondateurs, les 13 parlementaires, ont su braver la peur. Et c'est le début de la lutte en 1982. Une lutte acharnée qui a vu l'UDPS perdre ses fondateurs. C'est le résistant téméraire qui est resté esclave de ses convictions. Il s'agit d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Avec tout ce qui est arrivé, avec la dictature, surtout avec la lutte contre la dictature, nous avons appris d'abord à maîtriser la peur, à affronter les dictateurs en face et puis à avoir un minimum de culture politique. Durant 3 décennies et demie, le parti a lutté face à toute forme de barbarie humaine. 37 ans de lutte dans une opposition à la congolaise, privée de toute subvention, exposée à la gâchette facile d'une certaine catégorie des forces de l'ordre. 37 ans de lutte contre la peur, contre les intimidations et menaces des morts. Pendant 37 ans, l'UDPS n'a pas passé une année sans pleurer ses combattants, que l'on a arraché sauvagement la vie. Certains sont morts brûlés vifs, calcinés, d'autres atteints par des balles réelles, d'autres empoisonnés. Nombreux sont ceux qui ont péri dans le monstre des prisons. Pire, jusqu'aujourd'hui, ces combattants, certains entre eux, sont portés disparus. Malgré ces épreuves infernales, l'UDPS n'a pas abandonné les combats pour l'instauration d'un état de droit qui doit impérativement passer par une vraie justice sociale. Habitué pendant 25 ans à faire danser tout le monde, à mettre tout le monde à genoux, et maintenant ce qui se fait est vraiment un signal pour lui faire sentir que les choses ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. Il faut voir d'abord les intentions du peuple, qui est, comme je vous l'ai dit, très attaché à la lutte de notre parti, très attaché à notre parti. Mais il y a autre chose, c'est, comme je viens de vous dire, tous les efforts que M. Mobutu mène pour justement éviter que le parti fonctionne. C'est comme ça qu'il ne tolère aucune manifestation comme telle du parti, particulièrement de mon parti. Mais nous croyons, nous, que c'est un combat d'arrière-garde. Le peuple va absolument l'emporter parce que, après tout, c'est ce silence du peuple, n'est-ce pas, qui est favorisé, qui se maintient si longtemps que là. Face aux épreuves, le parti cher au docteur Tshisekedi wa Mulumba est resté dans la lutte non armée. Vu toutes ces réalités, la curiosité nous amène aux interrogations suivantes. D'où provient réellement la force de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Et quels sont les organes structurés officiellement au sein de l'UDPS? Selon les statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti du maire de la démocratie, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, l'UDPS, dans ses articles 15 et 16, comprend deux organes. Les organes nationaux qui sont le Congrès. La présidence du parti et la convention démocratique du parti. Puis viennent les colonnes de base que l'on peut considérer la colonne vertébrale de l'UDPS. Donc voici une image.
Autres, les organes des bases, qui sont les fédérations, les sections et les cellules. Aux côtés de ces organes, nous avons aussi les organes dits spécialisés, la LUC de jeunes. La LUC des femmes. La commission électorale permanente. Sans aller par le dos de la cuillère, la force de l'UDPS réside dans ces cellules. Elles sont sur tous les terrains et rien ne peut remplacer cette disposition statutaire. Le président ad intérim du parti, alors qu'il était secrétaire général, connaît la force de la mobilisation des cellules. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS et sa base historique sont extrêmement menacés par le nouveau des pseudo-mouvements associatifs et autres partis satellites et mallettes, une pratique honteuse, fragile, limitée, semeuse de divisions au sein du parti. Cette pratique a des inconvénients criants et fragilise les cellules qui sont d'ailleurs le cœur et le poumon de l'UDPS, dont voici une image. À toutes ces questions, s'ajoute celle-ci. Quelle est la particularité de l'UDPS et comment l'UDPS est arrivé au pouvoir? C'est l'apport de toutes les structures de base. Lui-même, le président, appartenait à une cellule. Il était membre de la cellule de l'UMT résidentielle, comme l'exige d'ailleurs le statut de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Chaque membre doit être actif dans une cellule. Comment la cellule travaille et quelle est sa mission? La réponse, nous la trouvons également dans les statuts. Au regard des statuts, la mission dévolue à la cellule est de recruter, encadrer, former, informer, dresser des listes de membres régulièrement présents dans les cellules. Elle doit fidéliser ses membres et prendre des doléances de la base, les ramener au sommet pour des solutions durables. Pour accompagner cette mission, voici ce que la cellule a pu faire. Elle en revient sur l'exemple de la cellule de l'UMT résidentielle. Il a fidélisé le membre, voire même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore secrétaire national du parti, puis secrétaire général adjoint, et pour finir président du parti et comme candidat président de la République. Depuis votre élection lors du congrès tenu du 30 au 31 mars 2018, c'est ce qui explique que nous, membres de la cellule UDPS limitée résidentielle, soyons orgueilleusement fiers de vous, au point de crier et dire à qui veut l'entendre que nous sommes la cellule phare de l'UDPS. Je suis parmi les amis de la cellule, c'est de vous féliciter toutes et tous pour cet accueil chaleureux de l'un des vôtres. Et cette mobilisation qui est impressionnante pour une cellule. Et je souhaite qu'à chaque fois que je viendrai aux réunions, parce que la prochaine fois, je serai assis dans le public et nous allons écouter notre comité cellulaire. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a voulu me féliciter pour mon élection à la tête du parti. Je dis merci, mais la prochaine fois, je serai dans le public avec tout le monde pour participer aux travaux de ma cellule. Je ferai de mon mandat, en tout cas, un mandat où tous les cadres du parti vont devoir rentrer à la cellule chaque dimanche pour participer aux réunions de cette cellule. Que vous êtes membre de notre cellule, vu le rang que vous occupez aujourd'hui et que c'est la première fois que nous vous accueillons en tant que tel, nous avons voulu vous rendre à travers ce cadeau tous les hommages mérités depuis votre élection la plus brillante au moment du congrès.
ta cellule, tu es aux côtés du président Tshisekedi lors de la formation des témoins aux élections de 2018. La cellule de l'UMT a accompagné son président au dépôt de sa candidature à la présidence de la République. Par cet acte, je prends l'engagement de me présenter devant nos compatriotes afin que ceux-ci nous jugent projet contre projet, programme contre programme, et ils émisent le meilleur d'entre nous pour le bien-être de ce pays. Je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Monsieur le secrétaire général du parti, Monsieur Jean-Marc Kabunda Kabun, qui est candidat député national à cette élection. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Toza Kobenga, la députation de Mwamba, Batu Oyo, Nde Mokonzi Nabiso a parti. Aligné Bango pour pas que Neko Bunda basse le siège na compte ya IDPS. Toyokani malam. Ndenge baloba que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngamoko Ndeko Nabino Augustin Kabuya, secrétaire général adjoint ya IDPS, na zappé candidat na circonscription ya Moamba. Ndeko Pierre qui l'a pité le mababe toro maboko pour ceux qui bamonio bamoni masamba. L'IMT résidentiel est le siège national du parti Nabiso. Il est le Kondo Tshisekedi Avandaki Bamboule Bele. Il est le résidence officielle de l'IMT résidentiel. Raison pour laquelle cellule Oyo est la cellule Mounene. Lelo président Yasika Tozui azovanda kaka na limité résidentielle. Ezali cellule phare. Cellule ezali musisa ya parti. Soki babenga kabiso IDPS. Grand parti na mboka na biso. Parti de masse. Poto traîna kaba masse. Toza mieux implanté ezali parce que tozana ba cellule
oezali kosala musala wana. Lors de la campagne électorale, la cellule n'a pas baissé le bras. Après son élection à la présidence de la République, la cellule de l'UMETE a offert son président et autres élus de l'UMETE un dîner de l'honneur. De très haute qualité parce que je vois que c'est bien organisé et surtout que c'est fait à l'honneur de vos élus, donc en commençant par le chef de l'État qui est membre de votre cellule et moi-même. Moi-même, bien que je ne sois pas de votre cellule, mais nous sommes ensemble avec vous dans la section, je dirais dans la fédération de Moamba, bien que je suis dans la section de Kingabon. Mais vous avez eu à m'inviter une fois dans votre cellule,
et j'avais remarqué que c'était, vous étiez bien organisé et que c'était une cellule qui promettait beaucoup, beaucoup de choses. Je tiens par la même occasion de vous remercier parce que je n'avais pas eu cette occasion depuis les élections. Vous m'aviez élu massivement et c'est une occasion pour moi de vous remercier. Pour le reste, je vous ai toujours dit à chaque fois, même l'autre fois quand vous m'aviez invité, je vous avais dit que la cellule reste l'organe par excellence dans notre parti. La cellule reste l'épine dorsale de notre parti. Sans cellule, l'UDPS n'existerait plus. C'est à travers la cellule, conformément à nos statuts, qu'il y a le recrutement des membres, la formation des membres et même la mobilisation. Notre parti repose sur des milliers de cellules que nous comptons à travers la République et même en dehors du pays. Moi, quand je me vois souvent en face d'un présent cellulaire, je me suis toujours dit que je suis en face d'un véritable chef du parti. C'est eux. C'est lui, le président, c'est bien lui et son comité qui font que l'UDPS existe réellement. L'UDPS ne peut pas exister du sommet en bas, mais il existe en tant que parti politique des bas en haut. Voyez-vous ? Donc la cellule reste incontournable dans la vie et même dans la survie du parti. Les longs moments de souffrance, de peine que nous avons connus ensemble, parce que quand je vois dans la salle ici, je suis en train de voir certaines figures qui me rappellent les années 80 de l'UDPS, les années 90, 2000 et ainsi de suite. Pour certains ici, c'est 30 ans de lutte, 30 ans de souffrance, de peine, enduré jour pour jour. Pour d'autres, c'est 20 ans, 15 ans, 10 ans. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, nous avons atteint le summum, ce que nous cherchions depuis 1980. Vous êtes réellement la force du parti. Et si toutes les cellules s'organisaient ainsi, donc nous, au sommet du parti, on n'aura plus beaucoup de travail à faire parce que le gros du travail est fait par les ayants droit, les détenteurs même de ce pouvoir, donc les comités cellulaires. Moi-même, je suis votre produit parce que j'ai eu à diriger le parti de la cellule, la section, la fédération. J'ai même dirigé une fédération pendant 8 ans avant d'être nommé secrétaire général. Je sais de quoi je parle. Je sais que le gros du travail est fait par les structures au niveau de la base. C'est la seule différence que nous avons avec d'autres partis, qui, pas par ironie, mais c'est la réalité, que nous appelons parti des mallettes, parce qu'ils ont des présidents, comme nous en avons aussi, ils ont des secrétaires généraux, comme nous en avons, des nationaux, ainsi de suite. Mais pourquoi ils sont partis des mallettes? C'est justement parce qu'ils n'ont pas de cellules. Ils n'ont pas de structure au niveau de la base. En gros, ils n'ont pas la base. Base. Quand nous parlons de la base, retenez pour une fois pour toutes, c'est vous. La base, c'est... La base de l'UDP, c'est constituée de plusieurs cellules. Quand on vous met ensemble... Et ça nous donne la force, nous disons, nous avons la base. Base, c'est vous. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et tous les autres partis des mallettes.
La machine politique est très importante pour tout homme politique. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui l'IDPS est arrivé au pouvoir, l'IDPS doit abandonner sa méthode de combat, ça sera une erreur grave. Le président de la République, ce qui fait sa force, c'est la base de son parti politique, sa famille politique, l'IDPS. Nous devons tenir compte de cet aspect-là. Je peux souhaiter bonne chance, plein succès au président de la cellule résidentielle du chef de l'État avec tout son comité. Je vous remercie. Bon, je crois que le Sangomonen est parce que pour célébrer la victoire contre la cellule au président, il va falloir évoluer dans la police. Et pour célébrer la victoire de la présidente. Quand sa présidente a mis son temps, on allait combattre avant de fréquenter la cellule. Il est tout à fait normal que la cellule est en gros, particulièrement SCP la collègue à la cellule Union Sociale. La cellule a également rencontré plusieurs personnalités de l'UDPS. Mettre les mémos de la base et elle reste fidèle à son président et s'engage à lui apporter son soutien total. Et voici le bureau de la cellule de l'UMT résidentielle. Il faut soutenir le chef de l'État.
kuendelea mbele maana maneno yote ya zamani ya mbaya huwezi kuisha. Upi kitu ya niko kabisa na sharia sana ni president kabisa, yeye ni mtu ya maombi sana kabisa. Ni mtu wa maombi eke Mungu amste Mungu ampatie force yote maana wa kutumika kabisa maana ke hii inchi hii itoke kuile maneno ya zamani. Ukina kubenga beno nyoso sana kukwiza kustenir president Félix Tshisekedi ake membre na beto ya selili presidentielle na liberté presidentielle. Ukina kubenga beno nyoso sana kukwiza kustenir batisho na yandi ya ngolo chie tu kwa kwa jobu soutenir président de la République. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, s'engage pour l'instauration totale de l'état de droit et de la démocratie en RDC.